Bonsoir, Léon. Arrête de t'agiter, il faut dormir. Dany, tu t'es lavé les dents? Oui. Tu crois que Léon, il va se plaire dans la maison de Chris? Et toi, t'as envie d'aller chez Chris ou non? Oh oui. Alors Léon aussi sera content. Bonsoir, chérie. Bonsoir, maman. À demain, petit cœur. Super content de passer la journée avec toi demain. Il est surtout super content de bricoler la voiture. C'est un petit garçon, tu sais, c'est normal. Oh, tu vas vraiment me manquer. C'est juste une nuit. Mais une nuit, c'est beaucoup. Et si tu arrêtais de faire ta valise? Je crois que c'est faisable. Il s'appelle Julian Conson. Nous avons été mariés 6 ans et sommes divorcés depuis 2 ans. C'est le père de votre fils? Oui. Il a un droit de visite? Oh, grand Dieu, non. Il a donc enfreint la loi en vous déposant ce cadeau? C'était pas un cadeau, figurez-vous. C'était un avertissement de la part de ce malade. Il s'en moque bien de son fils. Il le veut parce que je l'aime. Mon ex me déteste tellement qu'il se débarrasserait de moi sans hésiter s'il le pouvait. Tenez, j'ai même une injonction contre lui. Il y a 3 ans, il a essayé d'enlever Dany et de s'enfuir en Argentine. S'il avait réussi, je ne l'aurais plus jamais revu. Le juge l'a condamné à 1 an de prison ferme pour mise en danger mineure. Et vous savez où il se trouve? Il était parti pour Chicago à sa sortie de prison, mais il ne fait aucun doute qu'il est revenu. Qu'est-ce que j'en fais? Je le jette? Oui. Si jamais Dany le trouve, il voudra savoir de qui ça vient. Bon, écoutez, on a tout vérifié. Porte, fenêtre, et nous n'avons constaté aucun signe d'effraction. J'aurais bien voulu vous aider, oh, mais... Monsieur.
Tu imagines s'il s'est procuré une clé? Alex, il n'a jamais habité ici. Et alors, c'est pas ça qui peut l'arrêter. Je vais enregistrer votre plainte. Et demain matin, nos services vous contacteront. Je suis désolée, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Un conseil, faites changer vos serrures. Bonsoir, monsieur et madame. C'est bon, on y va. J'aurais dû m'en douter. Serre-moi fort. Oui. Je sens battre ton cœur à toute allure. J'ai une de ces trouilles. Demain, j'appellerai des amis. Ils vont vite le localiser. Et ne t'inquiète pas pour les serrures. Je les ferai changer quand tu seras à New York. Non, j'y vais pas, je ne... Chérie, tu as du travail. Il est très important, ce client. Danny aussi est important. Oui, je sais, il va rester avec moi. Et crois-moi, personne n'y touchera. Rassuré. Je tenais à ce qu'on sente un certain flottement. Oui, je comprends. Alex, je peux te présenter Virginia Turner. Alex est directrice de collection. Enchantée. Ravie de vous rencontrer. Nous en rediscuterons la semaine prochaine. Oui. Là, je vous laisse. Oui, pas de souci. Mon nouvel auteur sent des choses. Génial, je prends l'avion pour New York. J'espère qu'elle ne voit pas accident écrit sur mon front. T'as qu'à changer ton vol? Je plaisante, je ne crois pas à ce genre de choses. Ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Michael. On lit en toi comme dans un livre. Ben quoi, je le trouve super sexy. Dans ce cas, fonce. J'attends qu'il le fasse, figure-toi. Écoute, s'il te plaît tant que ça, fais le premier pas ou tire un trait. Il est peut-être gay. Bah, pose la question à ton auteur, là, à la voyante. Que de sarcasme. Dis, tu t'es levée du pied gauche ce matin? J'ai eu la visite surprise de Julian cette nuit. Et ça m'a fichu une trouille bleue. Tu tiens le coup? Oui, mais c'est dur. J'espère que la police va le coincer. J'ai pas envie de regarder derrière moi à chaque instant. Comment va Danny? Oh, lui, ça va. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Heureusement, il dormait comme un loir. Comment il est entré? Avec une clé. Chris va faire changer les serrures. Vous pouvez me le poster? Merci. Ce qui m'angoisse le plus, c'est qu'il m'enlève Danny. Alex, le boss vous attend dans son bureau. Merci, Bess. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens barbouillée depuis deux jours. Ah oui, pourquoi? J'ai dû manger quelque chose de pas frais. Je vous trouve un médecin. Oh non, surtout pas, ça ira. J'attends Gretchen, elle va débarquer avec ses petites pilules miracles. Et je serai d'attaque pour le dîner, mais... New York, c'est hors de question, j'aurais pas la force de prendre l'avion. Mais Warnfield va signer avec quelqu'un d'autre, on ne peut pas se permettre de rater ce contrat. Oh, je suis incapable de bouger. Mais toi, tu vas y aller. Compris, j'y vais seule alors. Tu pars avec le petit Mike Bride. Quoi? Il est bien ce type-là. Enfin, il bosse pour nous depuis un mois et il manque encore d'expérience. Alex, il a déjà travaillé dans d'autres boîtes. C'est pour ça que je l'ai engagé. Il a d'excellentes références. Et je te rappelle, ma chère collaboratrice, s'il y a bien une chose que Madame Eliza Warnfield apprécie presque autant que ses histoires, c'est quoi, d'après toi? Les hommes. Ah. Oh. Alex? Oui? Elle porte chance. Oh, c'est gentil. J'adore ces fleurs. Ah, eh bien alors, j'ai fait le bon choix. En effet. Dites, vous êtes au courant que nous allons à New York? Oui, il n'y a aucun problème, j'espère. Moi, j'avais d'autres projets, mais c'est lui, le patron. We'll be right back.
n'a aucun sens pour moi de signer avec une maison d'édition qui se trouve à Seattle. Même si elle est dirigée par ce monsieur qui me semble charmant. Je n'ai pas l'intention de quitter un jour New York. Madame Warnfield, si vous nous accordiez une chance, non. J'ai vécu ici pendant 40 ans avec le sénateur. C'est ici qu'il est mort. Et c'est ici que j'ai bien l'intention de mourir. À mon âge, on n'a plus du tout envie de traverser le pays dans tous les sens. Oh, mais vous n'aurez pas à quitter New York. Rassurez-vous, je viendrai. Il y a également le téléphone, le fax, les emails et... Mon enfant, c'est bien compliqué tout ça. Voyez-vous, moi je suis dans notre temps. Je n'ai pas d'ordinateur ni d'email, juste une plume. Je constate que vous aimez la poésie des Browning, Madame Warnfield. Et pourquoi pas? Elisabeth, sa femme, était mon ancêtre. Du côté maternel, si je ne m'abuse? Oh, jeune homme, vous êtes bien renseigné. Aime-moi, mon cœur. Je veux tout de toi. Tes sens, ta tête, ton regard. Sois légère et profonde à la fois. Eh bien, vous connaissez les Browning. Et je suppose qu'ils ont eu la même passion l'un envers l'autre que vous-même avez eu pour le sénateur. Et rien ne nous ferait plus plaisir que de révéler au public cette relation si particulière que vous avez vécue. Alex est la femme qu'il vous faut, croyez-moi. Elle est douée et en plus, elle excelle dans le domaine autobiographique. Elle se battra pour vos idées et autant vous l'avouer, elle a toujours eu un faible pour les belles histoires d'amour. Désolée de ce retard, Shepard était tellement excité qu'il n'arrêtait plus de parler. Et est-ce qu'il est au courant de combien va lui coûter ce dîner? Oui, et il a dit « profiter des fruits de la victoire ». Vous voulez une photo de vous deux? Non, merci. Non, attendez. J'aimerais garder un souvenir de cette journée. Si vous y tenez. Oui. Parfait. Un sourire. Voilà le ticket. Vous pourrez récupérer le tirage en sortant, merci. Alors, à quoi portons-nous un toast? Eh bien, à notre nouvel auteur. D'accord. À Elisa. À Elisa. Êtes-vous un fan des Browning ou êtes-vous un as de la manipulation? Non, non, j'adore les Browning. De sa beauté, je n'ai rien su, mais son sourire m'a confondu. Ce n'est pas des Browning. Oui, j'avoue. C'est Coleridge. Aux amoureux de la poésie. Aux amoureux de la poésie. Alors, comme ça, je suis plutôt douée pour les histoires d'amour. Ah oui, tout à l'heure, j'avoue que ça m'est venu comme ça. Je vous ai pas offensé, j'espère. Pas du tout, non, non. Question embarrassante, hein, désolé. Non, non, c'est mon côté irlandais. Chez nous, on a du mal à cacher ses sentiments. Ça peut jouer des tours quand un auteur ne nous plaît pas. À ce propos, quel a été votre parcours avant d'arriver chez nous? Oh, maîtrise en littérature. L'écriture difficile d'en vivre, enseigner je déteste, alors il me restait l'édition. On en est tous là. Oui, et quand Shepard m'a proposé cet emploi, j'ai sauté sur l'occasion. C'est quoi ça? Oh, pardon, c'est une vieille habitude. Non, allez, faites-moi voir. C'est un pendentif? Ça s'appelle un clada. Ah. C'est un bijou irlandais du XVIIe siècle. Les mains représentent l'amitié, la couronne, la fidélité et le cœur, l'amour. C'est magnifique. Oui, c'est la femme qui me l'a offert qui était magnifique. Et qui est-ce? Ma mère. Et elle est... morte. Désolée. Eh bien, quel dîner, c'était royal. L'addition aussi était royale. Ah, merci patron. Vous m'attendez une seconde? Bien sûr. Thank you.
comme on aime le sud. Julian! J'en ai plus qu'assez que tu me suives partout! Espèce de... Désolée, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Une chance que je ne sois pas lui. Alex, ça va? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on rentrait, il est tard. Bien sûr. À quel âge vous êtes-vous mariée avec lui? Oh. Bien trop jeune. J'avais quoi, 21 ans? J'étais très fleur bleue. À l'époque, je débutais dans l'édition. Il avait du talent comme écrivain. J'y ai cru et croyez-moi, j'en ai bavé. Navré que vous soyez passée par tout ça. Oh. Non, n'en parlons plus. Je voudrais pas gâcher cette soirée. Ah, j'ai failli oublier nos photos. Dites-moi, laquelle préférez-vous? Celle où on est deux ou celle où on est deux? Je choisis celle où on est deux. Très bien. Et moi, je choisis celle où on est deux. C'était une journée très réussie. Merci, Michael. J'avoue que j'étais nerveuse à l'idée de partir pour New York avec vous. Mais, enfin, pourquoi étiez-vous nerveuse? Le contrat Warnfield était important à mes yeux. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'ai réussi l'examen? Ah, oh la main, je dois dire. Pas seulement à cause du contrat, je crois que nous allons devenir de bons amis, non? Oui. Moi aussi. Oh, excusez-moi. Chris, comment vas-tu? Non, non, c'est pas trop tard, je viens juste de rentrer. On a réussi, figure-toi. Oui, attends une seconde. Excusez-moi, Michael, c'est mon petit ami. Je vais appeler pour réserver un taxi demain, alors rendez-vous en bas, 11h. Oh, d'accord. Merci encore. Oui. Et Danny, pas trop fatigant? Non, il s'est fatigué avant moi. Il s'est endormi sur la table. Je l'ai mis au lit. Dis-moi, est-ce que tu as eu des infos sur Julian? Non, rien de neuf. Personne ne l'a vu dans le coin. J'ai contacté un ami à Chicago et il va chercher quelle est sa dernière adresse. J'espère qu'on en saura plus ces jours-ci. Et les serrures? Changées aujourd'hui. Maintenant, tout est sous contrôle. En fait, je te manque un peu. Oh, plus qu'un peu. Tant mieux. Alors, à demain. Oui, à demain. Bisous. Alex, j'ai pas pu entrer. Hélène! Bonjour, mon Danny. Oh oui, excuse-moi, j'ai complètement oublié que tu devais passer chez nous. On a fait changer les serrures. J'ai cru que tu m'avais renvoyé. Oh, tu plaisantes, Danny me le pardonnerait pas. Léon adore les escargots. Ça tombe bien, moi aussi. Avec un beurre aillé, c'est franchement délicieux. Leur bon. Tourne, il faut que je file au bureau. On se voit ce soir? Ah non, ce soir je m'offre un soin complet. Ongles, peau, cheveux, tous les trucs que j'ai pu négliger depuis un mois. Alors dans ce cas, je vais pouvoir me consacrer à ma voiture. Et chef, tu n'oublies pas de m'appeler demain. Hein. Je t'appelle. Bye. Qui veut de la glace? Moi. Thank you.
pas l'avoir. Laisse-lui un message. Le répondeur est coupé. Essaye sur son portable. J'ai essayé, figure-toi. Il m'a dit de l'appeler pour les escargots. Paraît que c'est le matin qu'ils sortent. Et il est peut-être sous la douche. Voilà, il faut que je file. Hélène, tu peux rappeler Chris avant de déposer Dani à l'école? Bien sûr. Bisous, chérie. Très bonne journée. À ce soir, Hélène. Oui, très bonne journée. Anthologie de poésie de Robert et Elisabeth Browning. Ça vous plaît? Ah, j'adore, merci. Je me trouvais dans une vieille librairie hier soir. Je farfouillais et je suis tombée dessus. Le destin, en somme. C'est très gentil. Je vous laisse. Dites, je vous invite à déjeuner. Ça vous tente? Avec joie. À quelle heure? 13h. 13h. Hey, salut. Salut. Alors, raconte. Oh, on a signé. Et ça, je le sais déjà. Et Michael, dis-moi. Lui, c'est un type gentil, timide, sensible, brillant et un grand sens de l'humour. Dis donc, t'as glissé mon nom en passant, j'espère. Pourquoi? Tu me l'as demandé? Au cours de la conversation, t'aurais pu dire du bien de moi. Oh, Red, il est chouette, je te jure, alors n'hésite pas. Une seconde. Oui, Alex Wilson? Salut, Lydia, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, oui, j'ai une clé. Je fonce chez lui et je vous rappelle de là-bas. À plus. Chris devait être au tribunal à 9h. Tout le monde l'a attendu. Et chez lui, ça sonne dans le vide. Curieux, c'est pas son genre. Exact. Écoute, si jamais je sais pas, me cherche, dis-lui que j'en ai pour une heure, d'accord? Ouais. Je veux que tu le récupères avant la fermeture de l'école. Vous repartez direct à la maison. Le laisse pas jouer dehors. Ferme-toi à clé, laisse entrer personne. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai parlé du père de Dani, tu te souviens? Il est ici? Ne t'inquiète pas, la police est au courant. Tu fonces à la maison, tard. D'accord. À plus. On se retrouve à l'hôpital, t'inquiète pas, je serai là. Inspecteur Clark et l'inspecteur Jordan. Ils vont emmener votre ami aux urgences de l'hôpital Saint-John. On a des questions à vous poser et après vous pourrez y aller. Monsieur Wagner n'a pas bien vu le visage de son agresseur. C'est une évidence. Il ne peut s'agir que de mon ex, Julian Conson. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de vous? Parce que personne ne ferait du mal à Chris. C'était mon avocat quand j'ai demandé le divorce et c'est lui qui m'a obtenu une ordonnance restrictive. Mon ex était fou de rage après lui. Moi, j'ai besoin d'être protégée de ce malade. J'ai peur qu'il s'en prenne à mon fils. Tu nous envoies une équipe de surveillance et tu lances un avis de recherche sur ce type. Ouais. Vous auriez dû réagir plus tôt. Pourquoi vous y avez pas cru mardi quand il a pénétré chez moi? Rien ne serait arrivé si vous aviez fait votre boulot. Madame Wilson, on le trouvera. Promis. Voici ma carte si vous avez besoin de me joindre. Bien sûr, attendons de voir comment il réagit. Tu sais qu'ici, tu passes pour un sacré vénard. Quand on se fait écraser par une voiture, on ne s'en tire pas avec des bleus et de la déshydratation. Je crois qu'on va foncer au casino. C'est toi qui m'as sauvé la vie.
La voiture est restée bloquée. C'est ça qui t'a sauvé la vie. Chris, si tu savais comme je m'en veux. C'est Julianne qu'il faut accuser, pas toi. Oh non, non, pas. C'est moi qui suis allongé. Allez, fais-moi un sourire. Oui, c'est lui. Wilson vient d'arriver. Alex, c'est Michael. Je crois que vous avez oublié notre déjeuner. Rappelez-moi. C'est Michael. Désolé pour mon premier message. Denise m'a appris la raison de votre absence. J'espère que tout va bien. Si vous avez pris les œuvres de Browning, lisez le poème, page 117. Vous devriez vous sentir mieux après. Bonsoir demain. Bonsoir. Fin de vos messages. Savez-vous à quel point je tiens à vous, laissez-moi vous l'avouer. L'amour que je ressens pour vous à la profondeur, la hauteur que mon âme aimerait atteindre. Je vous offre tout de moi, mon souffle, mes sourires, mes larmes. Et s'il plaît à Dieu, je vous aimerai encore plus fort après la mort. Thank you.
chaud. Dani m'a dit que Chris va s'en sortir. Oui, mais ils ont préféré le garder en observation. Quelle bonne nouvelle. Oui. Ça se fête, ça, hein, Dani. Et si je faisais des crêpes, ça te dit? Bonne idée. Miam, miam. Plein de crêpes. Oui. Je descends tout de suite. Oh, Hélène, tu as pris ma brosse à cheveux? Non. Oh, j'arrive pas à mettre la main dessus. Dani l'a peut-être prise. Je vais voir dans sa chambre. D'accord, merci. Alex ? Bonjour. Et votre ami ? C'est pas trop grave. Bon, et vous avez eu mon dernier message ? Oui, je l'ai eu. Merci, c'est un de mes poèmes préférés. Moi aussi. Ah, dites, on déjeune ? Je connais un endroit charmant pour un pique-nique. Oh non, pas aujourd'hui. Pourtant, rien n'était noté dans votre agenda. Vous avez regardé ? Non, je parlais à Bess et sans faire exprès, j'ai constaté que vous étiez libre. Ça ne vous ennuie pas ? Non, pas du tout. Je suis libre, c'est vrai, mais je dois aller chercher Chris à l'hôpital en fin de matinée. On remet ça à demain ? Ça marche. Enfin, si ça colle avec mon emploi du temps. Bonjour. Elisa Warnfield a tenté de vous joindre deux fois et Shepard voudrait vous voir. Il n'y a pas d'urgence. Merci. Encore des lices. Depuis quand sont-ils là? Il n'y avait rien quand je suis partie hier soir. Peut-être que quelqu'un vous admire en secret. La police. Je croyais qu'il devait exercer une surveillance. T'inquiète pas, ça ira. Et n'oublie pas que j'ai une arme chez moi. Ah oui, un vrai macho. Est-ce que ça va? Oui. En revanche, je pourrais pas me déshabiller seul. Je suis là, t'inquiète pas, je vais t'aider. D'accord. Doucement. Ah. Oh, ça y est. Ça va? Oui, bien. Mais à quoi tu joues, là? J'ai envie de toi. C'est pas croyable comme j'ai envie de toi. Ils ont tous dit pas de folie. Oui, je sais. Tu peux à peine bouger, voyons. Alors laisse-moi gérer ça à ma façon. Tu es sûr de ce que tu fais? Si ça fait mal, ça me fera du bien. Oh, oh. D'accord, mais après, viens pas te plaindre. C'est juré. Je retiens. Un thé? Il faut que je retourne au bureau. Je ne suis qu'un jouet sexuel pour toi. Et c'est un problème, ça? Non. Tiens. Quand tu m'as dit que tu m'aimais, est-ce que ça impliquait aussi « Allons-y, marions-nous » Quelle persévérance! Je sais ce que je veux. Oh, ça, je sais. Et j'ai plus de chance aujourd'hui qu'hier? Bien. Michael ?
Oh, Alex. Est-ce que vous êtes allé chercher votre ami? Oui. Bien. Oui. Alex, j'ai un cadeau pour vous. Non, Michael, là, je ne crois pas que ce soit... Ouvrez-le. Nous sommes amis, non? Je ne peux pas accepter. Et moi, je veux vous l'offrir. Mais non, c'est trop. C'est un gage de notre amitié. C'est beaucoup trop, voyons. Il a appartenu à votre mère. Et moi, je ne suis pas liée à votre famille. Écoutez, je suis vraiment touchée. Mais là, je ne peux pas accepter. Excusez-moi si je vous ai blessée. Vous comprenez ce que je ressens. Je comprends. Je comprends. Tiens, m'excuser également. Bess ? Oui ? Vous avez parlé à Michael McBride hier. Michael ? Non, non, j'en ai pas eu l'occasion. Et il n'est pas passé à votre bureau ? Non. Attention, ils viennent aujourd'hui. Il a prétendu être tombé sur mon agenda. Tu parles. Il a profité de l'absence de Bess. En plus, il t'offre des lices. Ton amitié ne lui suffit plus, tiens. Méga surprise. Non, non. Méga problème. Il me bombarde de cadeaux, débarque dans mon bureau, fouille et n'hésite pas à appeler chez moi. Il sait qu'il y a un homme dans ta vie. Bien sûr. Il n'a pas imprimé quand tu lui as dit. Alors parle-en à Shepard. Qui est là ? L'inspecteur Clark. Alors ? Vous l'avez arrêté ? Non, monsieur Wagner. Là, il va falloir réviser votre copie. On s'est renseigné et d'après son agent, Julian Canson vit à Londres depuis 4 mois. Ce qui veut dire que quelqu'un d'autre cherche à vous éliminer. D'accord, merci. Bonjour, c'est Alex. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Laissez votre nom. J'ai essayé sur son portable, elle ne répond pas. Alex ? Bonsoir. Bonsoir. Je tenais à m'excuser. Je n'aurais pas dû vous harceler de cette manière. Vous avez le temps de prendre un café? Il faut que je rentre, Michael. Accordez-moi une petite demi-heure. Allez, montez vite. Le type derrière n'est pas patient. Pour l'instant, laissez-moi un message et je vous rappellerai. Bonjour, rien. J'arrive pas à la voir, c'est bizarre. Je vais essayer chez elle. Je connais un coin, pas très loin d'ici. Je suis navré de vous avoir effrayé. C'était une erreur de vous offrir ce bijou, je le reconnais. Je vous avoue que je manque un peu d'expérience avec les femmes. J'ai été maladroit. Ce bijou est magnifique et comme vous l'êtes aussi, il m'a semblé naturel de vous l'offrir. Mais il y a un homme qui fait partie de ma vie, Michael. Ça me paraît difficile de lui expliquer qu'on m'offre un bijou aussi précieux. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Mais enfin, tout, c'est mon petit ami. Si j'ai manqué de clarté, j'en suis vraiment désolée. Ce n'est
pas la peine de vous excuser. Mais si je vous ai donné l'impression que j'étais... C'était pas la peine. On va où, là? Détendez-vous. Vous allez adorer ça. J'ai promis à Danny de ne pas revenir trop tard. Que je voulais vous emmener pique-niquer l'autre jour. Regardez comme c'est beau. Même la nuit. J'ai l'impression que je vous fais encore peur. Alex, calmez-vous, je vous en prie. Il se fait tard, je dois rentrer voir mon fils. Et Chris? Ce n'est pas l'homme qu'il vous faut. Tous les deux, vous n'avez rien en commun. Vous et moi, on est sur la même longueur d'onde. Michael, vous me connaissez à peine. En nombre de jours, peut-être. Mais tous les deux, on se connaît depuis très longtemps. Je vous en prie, ramenez-moi chez moi. Vous appelez qui? La police? Non, j'appelle Denise pour qu'elle vienne me chercher. Je crois qu'il vous manque ceci. Retiré. Vous croyez au destin, Alex? Vous croyez que parmi des milliards d'êtres humains sur cette terre, deux personnes sont destinées à se rencontrer? Moi, à l'instant où je vous ai vu, j'ai su. Oh, je pouvais aller travailler dans différentes boîtes, j'ai choisi la vôtre. J'ai eu le choc de ma vie. Vous m'êtes apparu et j'ai su que vous seriez à moi. Peu m'importe les détours, j'étais prêt à tout. À mettre une cochonnerie dans les œufs de Shepard pour qu'il n'aille pas à New York. Ça vous surprend tant que ça? Je serai prêt à tout pour vous. Browning a dit, je suis prêt à mettre mon cœur à vos pieds si vous le désirez. Je vous veux corps et âme et je m'offre à vous. Lui, il connaissait le sens du mot destin. Et si nous allions admirer la vue, hein? Vous connaissez cet objet? C'est ma brosse. Les hommes l'ont trouvé dans l'appartement de McBride. Il s'est carrément introduit chez moi. On a trouvé des centaines de photos de vous faites au téléobjectif à différents moments de votre vie. Apparemment, ça fait un bout de temps qu'il vous traque. Alex. On vous attend dehors, Madame Wilson. C'est fini. Non, ils le cherchent, ils ne savent pas où il se trouve. Il est mort, Alex. C'est terminé. Récupère toutes tes affaires, je te ramène chez toi. Je resterai à t'écouter cette nuit. J'ai besoin d'être un peu seule pour l'instant, de prendre un bain tranquille. Oui, d'accord. Je te comprends. Thank you.
bonheur que tu sois là. Je me suis fait tellement de soucis quand j'ai vu que tu ne revenais pas. Est-ce que t'as envie de quelque chose? Non, t'es un ange. Va dormir, je vais bien. D'accord. Bonsoir, Alex. M'échapper, jamais ma bien-aimée. Alex, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'es au courant? Tout le monde l'est, toute la presse ne parle que de ça. Et toi, tu tiens le coup? Fallait t'accorder une journée de repos et dormir. Et faire quoi? Tourner en rond? Non, je te jure que je suis mieux ici. Shepard nous a demandé de virer toutes ses affaires avant ton retour. Si t'as envie de faire une pause, discuter, tu sais que je suis là. Ouais, je sais. N'hésite pas. Merci. Ici Alex Wilson. C'est moi. Chris. Tu t'es bien reposé? Oui. Bon. Et comment ça va toi? Dans l'ensemble, beaucoup mieux. Écoute, je peux pas te parler longtemps. Je dois me rendre au tribunal pour l'affaire Behringer. Et à 16h, je m'envole pour Denver. Oh. Ouais, je sais, tout ça, ça tombe un peu mal. Mais c'est pour une déposition. Je peux pas la remettre. Je reviendrai demain soir. J'ai pris une chambre à l'hôtel Arms. N'hésite pas à m'appeler souvent, hein? Oui. Je t'aime. Moi aussi. Bon voyage. Bisous. Oui, Alex Wilson. Allô? Je vous offre tout de moi. Mon souffle, mes sourires, mes larmes, ma vie. Et s'il plaît à Dieu, je vous aimerai encore plus fort après la mort. Soyez un peu réaliste. McBride a fait une sacrée chute, vous en conviendrez. Vous avez retrouvé le corps? L'opération est loin d'être simple. Les plongeurs sont sur place, mais la rivière est profonde à cet endroit. Si j'ai bien compris, on n'a pas retrouvé le corps. Madame Wilson, vous avez vu la hauteur de la falaise? Comment voulez-vous qu'il survive à une chute pareille? D'accord, vous avez reçu un appel bizarre. Mais l'histoire a fait la une ces jours-ci, et puis il y a un tas de malades dans le coin. C'est peut-être l'un d'eux qui a appelé. En tout cas, c'est sûrement pas McBride. Quand vous en saurez plus, appelez-moi, s'il vous plaît. Merci pour le café. Thank you.
Vous n'avez rien? Michael. Je vous demande pardon. Sur la route, il était là en plein milieu, j'ai failli lui rentrer dedans. Mais je n'ai vu personne, madame. Je l'ai vu, croyez-moi. D'accord, je vais voir. Ne bougez pas. Hé hey. Hé oh. Il y a quelqu'un? Hé hey oh. Il n'y a personne. Les yeux peuvent nous jouer des tours la nuit sur ces routes. Croyez-moi, s'il y avait eu quelqu'un en plein milieu, je l'aurais vu. Qu'est-ce que je viens faire dans ces locaux, moi? Et que fait la police? Je la trouve peu efficace. Je voulais vous montrer quelque chose. Mais pourquoi vous ne me croyez pas? Il est en vie, je vous dis, je l'ai vu. C'est impossible. Comment ça, impossible? Dites, je sais ce que j'ai vu, il est toujours en vie. On a retrouvé son corps il y a une heure. Je vais vous le montrer. Un sacré choc émotionnel sur cette falaise, madame Wilson. Je m'occupe des gens comme vous, je le sais. Là, vous allez avoir besoin d'un psychologue, à mon avis. C'est possible. Vous savez, dans ces cas-là, on doute, il fallait que je voie le corps. Je crois sincèrement qu'un psychologue vous aiderait à passer le cap. J'ai cru que c'était lui, je te jure. Ma peur quand je l'ai vu débarquer de nulle part en pleine nuit. Raconte-moi. J'étais stressée. La scène s'est passée si vite. Il me faisait face au milieu de la route. Qui te faisait face sur la route? Personne, chérie. Écoute, je continue pas. Il y a des grandes oreilles qui traînent. On en reparlera. Non, elles sont pas si grandes. Qu'est-ce que je disais? Tu es sûre que ça va? Oui, t'inquiète pas. Tout est rentré dans l'ordre. Achète-toi un nouveau portable. Je veux pouvoir te joindre à tout moment. On se voit demain. Fais un bisou à Danny, de ma part. J'y manquerai pas. Je t'aime. Moi aussi. Oh, qu'est-ce que tu me fais? Je te donne un bisou de la part de Chris. Pourquoi? Eh bien, parce que t'acceptes d'aller au lit comme un bon garçon que tu es. Allez-y au lit. Oh, sinon, je le rappelle, hein. Ça va, Alex? Oui, beaucoup mieux. La vie va reprendre son cours normal. Chérie, j'ai dû faire un cauchemar. Je voulais pas te faire peur. Tu vois, même les mamans font des cauchemars. Au lit, Danny, je t'accompagne. Non, je veux rester avec maman. Tu veux me protéger? Merci, mon chéri. Je vais bien, c'est fini. Faut que tu dormes encore un peu, il y a école demain. Et toi, tu vas au travail? Oui, je vais au travail. Allez, le super garde du corps, oui. Allez. Oh,
Grouille, grouille! Danny, debout, debout! Maman! Dans ta chambre. Rien de tel qu'un bon verre de lait pour dormir. Merci. Bonsoir, Dani. Bonsoir. Bonsoir. C'est Virginia. Je vais ouvrir. Tu crois vraiment que c'est la solution? Alex. Alex. T'as pas trop le choix, là. Si tu demandes l'aide d'un psy, il va rien comprendre. Il va se dire qu'Hélène, Dani et toi, vous êtes à la masse, ou qu'on vous a fait une farce. Et moi, je suis certaine que McBride avait mis au point un plan histoire de t'effrayer. Allez, courage, et rappelle-toi, je suis ton amie, non? Allez, debout. On y va. Tu sais, j'ai mené ma petite enquête sur Virginia. Elle sait ce qu'elle fait. J'étais dans un tel état de stress que j'ai juste claqué la porte en partant. On peut y aller? Oui. Je sens beaucoup de colère. Dites-moi, pourquoi ce Michael vous en veut à ce point? Je sais pas, moi, il n'arrêtait pas de me suivre, ça tournait à l'obsession. Vous l'aviez senti. Vous l'aviez senti le jour où on s'est rencontrés. C'est vrai qu'il y avait quelque chose d'oppressant, assez difficile à définir. Ouvrez la porte. Il s'est suicidé. Vous a-t-il offert un objet personnel par hasard? Non. Pourquoi? C'est important. Oui. Oui, c'est un lien avec son enveloppe charnelle. Il vous donnera des indications précieuses sur ce qu'il a ressenti, sur sa force, sa faiblesse, son amour, sa haine. Ça décuplera votre pouvoir quand vous entrerez en contact. Je refuse d'entrer en contact. Il faudra bien, il est actuellement piégé entre ce monde et l'au-delà. Toute cette colère, ce ressentiment, il faudra bien qu'il s'en libère. Virginia! Vous semblez tétanisé, qu'est-ce que vous avez vu? Il est fou de rage. L'obsession de Michael pour vous est d'une telle intensité qu'il est carrément sorti de sa tombe pour vous emmener. Comment ça m'emmener? Vous voulez dire me tuer? Virginia, existe-t-il un moyen pour qu'il me lâche? S'il vous avait offert un objet très personnel, c'était jouable, mais là vous n'avez aucune chance. Tant pis, si je dois quitter cette maison, je n'y reviendrai jamais. Ah oui? Et où irez-vous? Ce n'est pas cette maison qui l'intéresse, Alexandra. C'est vous. Et dire que ce type m'attirait au départ? Qu'est-ce que je peux être bête, moi? Remarque, on est deux. Tu comptes faire quoi? Déjà, je peux pas rentrer chez moi, c'est impossible. Non, tu vas rester ici avec moi. Pas question. T'as entendu ce qu'elle a dit? Michael ne lâchera pas. Je tiens pas à mettre ta vie en danger. Je trouverai un hôtel, t'inquiète pas. Bon. Oui, et après?
Après, j'en sais rien, mais bon, une chose est sûre, j'ai pas envie qu'un fantôme décide de me pousser dans une tombe. Je te jure, c'est dingue tout ça. C'est noté. Bess, vous avez les journaux du matin? Merci. De rien. Mort tragique, le 15 septembre, fils de Sarah McBride, sa grand-mère, Bridget Fagan. Merci. J'ai pas envie d'y aller, moi, j'ai la trouille. Dany n'a rien à se mettre sur le dos, et toi, t'as juste ça. Elle se trompe peut-être, ta médium. T'imagines si la maison est hantée? Écoute, voilà ce qu'on va faire. On fait un saut là-bas, et si t'as pas envie de rentrer, j'irai toute seule, ça te va? Ça me va. Bien. Dany, on y va, chérie? Non, maman ne m'a jamais emmenée dans ce coin-là. Ah oui? Dany? Comment on fait? Tu me montres? Génial. Dany? C'est vrai, ça? Des gros escargots? Oh, super. Dany? Ben, moi, j'irai après l'école. Dany? On y va. Là, je dois aller chercher Léon. Salut. Sandra Wilson, une amie de Michael. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, non, pas du tout. Entrez. Michael m'a si souvent parlé de vous. Oh, j'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir après ce qui s'est passé. J'avais l'intention de vous écrire. Je suis tellement désolée de ce qu'il vous a fait. Je n'arrive toujours pas à le croire. Cette histoire lui ressemble si peu. Elle, c'est ma grande fille, Sarah. Michael m'avait dit à quel point vous lui ressembliez. J'avoue que c'est troublant. Et là, je reconnais le pendentif que portait Michael. Oui. Sarah le lui avait offert quand il avait 6 ans. J'espérais le mettre dans son cercueil, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est étrange. Moi, je l'ai toujours vu avec, il ne l'ôtait jamais. Il y tenait tellement. Oh. Venez, je vais vous montrer le jardin de Sarah. Elle avait une passion pour ses lys. Elle disait que leur pureté rendait le monde plus beau, qu'il portait un message d'espoir et de paix sur cette terre. C'est magnifique. Oui. Votre fille avait quel âge quand elle est morte? 31 ans, seulement. On a trouvé son corps à l'endroit où Michael est tombé. En bas de la falaise? Ma fille avait épousé un homme cruel, d'une violence. Pendant des années, elle a tout enduré pour que son fils ait une famille. Quand Michael a eu 6 ans, elle a décidé de s'enfuir. Elle est venue chez moi. Oh, bien sûr, elle espérait trouver une solution pour éloigner son fils de ce monstre. Mais Sean McBride était un homme riche, il a pris un ténor du barreau. Il a fait en sorte que Sarah ne puisse jamais revoir ou parler à son fils. Ça lui a brisé le cœur. Elle ne s'est jamais pardonnée de l'avoir abandonné. Au bout de 6 mois, elle s'est tuée. Et Michael? Sean a dit à Michael que sa mère l'avait abandonné.
2 ans plus tard, il est arrivé plein de rancœur pour la voirée. Il a découvert 2 choses, moi, et la vérité. Il a coupé les ponts avec son père après ça. Qu'est-ce que c'est ? M'échapper, jamais, ma bien-aimée. Parce que c'est toi, parce que c'est moi. Oh, Sarah adorait ce poème. Robert Browning, vous connaissez ? Bon. Faut se bouger, là. Je sais pas ce que t'en penses, mais à deux, on fera ça vite fait. Ça fait beaucoup, je te signale. Il y a tes affaires, celles d'Alex, de Dani, tu vois. Il faut récupérer les clés de la voiture. D'accord, mais tu laisses la porte grande ouverte. Ça marche. Dani, écoute. Toi, tu restes là. Tremblait comme une feuille. Si tu le dis. Tiens, Dani. Mon cher Léon. Très bien, on se retrouve à la maison. Et sois prudente. Elle a appartenu à sa mère ? Sa grand-mère. Elle lui avait donné. Dommage, ça aurait eu plus d'impact si elle avait appartenu à sa mère. Comment est-elle morte ? Elle s'est suicidée. Elle est tombée de la même falaise que Michael. La même ? Nous avons 2 âmes en souffrance. Et cette médaille a un pouvoir ou non ? Je ne sais pas trop. Sa mère lui avait offert un pendentif, et si je le récupérais ? Un pendentif ? Ce serait beaucoup mieux, en effet. La dernière fois que je l'ai vu, il était accroché en haut de la falaise. Oh, il ne faut pas y aller. C'est là qu'il est mort. C'est là où il peut exercer sa puissance. Oui, mais là, je n'ai pas d'autre solution. C'est trop dangereux. Je fais quoi alors ? J'attends les bras croisés, qu'il prenne tout son temps pour me tuer. Je peux m'éloigner de mon fils, mais pour combien de temps ? Et s'il décidait de s'en prendre à Dani, qui peut savoir de quoi il est capable ? Non, il faut que je mette la main sur ce pendentif. Donnez-moi la marche à suivre. S'il vous plaît, Virginia. Allez-y seule. Son pouvoir destructeur est une menace pour chacun de vous. Les textes anciens sur ce parchemin symbolisent nos attaches terrestres. Placez la photo de Michael au centre du parchemin. Enroulez-le. Et attachez-le avec la chaîne. Ce document représente Michael et son dernier lien avec ce monde. Quand il vous fera face, soulevez ce parchemin. Brûlez-le devant lui et prononcez ces mots. Au nom de tout ce qui est bon et pur, je vous ordonne de partir. Il essaiera de vous attirer, de vous manipuler. Ne quittez pas ses yeux, ne détournez pas le regard, même une fraction de seconde, ou il prendra possession de vous. Bonne chance. N'échappez jamais, ma bien-aimée. Vous avez
sommes dans le vide. Je suppose que tu l'as pas encore changé. Si jamais t'écoutes tes messages, nous sommes passés chez toi avec Denise pour récupérer des affaires et ma voiture. Tu manques beaucoup à Dani, alors je l'emmène chercher des escargots du côté de Wood Hill. Appelle-moi sur portable si t'as besoin de moi. Salut, c'est encore moi. Je vois que la route vers Wood Hill est fermée pour travaux. Un ami de Dani lui a parlé d'un point où il y a plein d'escargots. Donc là, je prends une route qui s'appelle Old Briard. On sera de retour chez Denise en fin de journée. Non. Hélène, réponds. Hélène, surtout ne prends pas cette route, elle file droit vers la falaise. Tu ne la prends pas, tu fais demi-tour, d'accord? Je t'expliquerai ça plus tard. Tu m'appelles dès que tu as... La porte est grande ouverte. Qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai pas le temps de t'expliquer. Attends, Alex, qu'est-ce qui... Si seulement je le savais. Mais raconte-moi, je peux peut-être t'aider. Non, tu peux rien faire. Sors de la voiture. Non, pas avant que tu m'aies expliqué ce qui t'arrive. Sors de là, il faut que j'y aille. Dani est en danger. Dani est en danger? Il est où? Avec Hélène, du côté d'Old Briard. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Non, attends, là, je comprends strictement rien. Désolée, j'ai pas le temps de t'expliquer, Chris. Je veux y aller, alors sors. Je l'aime bien, moi, Dani. Et s'il a un problème, je veux le régler. Démarre, je reste. Appelle Hélène sur son portable. Dis donc, il commence à se faire tard. On devrait rentrer. Mais on n'a même pas trouvé un seul escargot. Oui, je sais, désolée, mon chéri. Ton ami t'a donné une fausse info. Il ferait pas ça. Ah non? C'est qui cet ami? Un copain d'école? Non. Tu l'as connu où alors? Chez Denise, tiens. T'avais aucun copain chez Denise, je te signale. Mais si, je te dis. Je lui ai même parlé. Moi j'étais où? Avec Denise. C'était qui, un petit garçon? Un petit, il saurait pas où trouver les escargots. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Michael. Michael? Bon, faut y aller. Pourquoi? Dani, ça y est, cours! Pourquoi? Arrête, je suis là! Hélène! Dis, ça va? Réponds! Réveille-toi! Hélène! Je comprends pas. D'habitude, t'es une fille rationnelle, pleine de bon sens. Alors tu crois que c'est moi qui ai jeté le vase? Mais non, j'ai pas dit ça. Mais il y a sûrement une explication logique. Et puis, ces derniers temps, t'as affronté pas mal d'épreuves. Alors j'hallucine et ça passera. Tu sais, si ça pouvait être aussi simple. Reconnais que les chocs émotionnels post-traumatiques, ça existe. S'il te plaît, ne roule pas si vite. Si t'es pas content, je te laisse là. Mais arrête, je suis fou de toi, je ne suis pas ton ennemi. Alors dans ce cas, fais-moi confiance, crois-moi quand je te dis les choses. Entendu. Faisons comme tu l'entends et admettons que ton fantôme existe. La question est de savoir s'il est aussi puissant que ça et qu'il veut te tuer, pourquoi il ne fait rien? J'étais sûre que tu comprendrais rien. Mais j'essaie, tiens, lors de l'accident, il ne t'a pas tué. Moi je pense que cet esprit vengeur n'a pas la force que tu lui prêtes. Tu comprendras quand on sera arrivé sur la falaise. Tu crois que Dani est là par hasard? Non, il l'a attiré. Michael ne me lâchera pas. Il est derrière! Alex, il n'y a personne derrière. Il était là! Oh, si tu le dis. Ne me prends pas pour une demeurée, je l'ai vu derrière.
toi. Je veux rentrer à la maison. Hélène. Eh oh. T'as fait une chute. J'ai cru que tu te réveillerais jamais. Hélène, faut partir d'ici. Ouais. Tu devrais peut-être ralentir un peu. J'y arrive pas. Regarde. La voiture est devenue incontrôlable. Mais qu'est-ce que... C'est Michael. Appuie sur le frein. Il ne donne rien. Il a pris les commandes. Qu'est-ce que tu fais? Rien, c'est lui, je te dis. Non. Faut sauter. Je vous ordonne de partir. Maman! Danny! Danny, va-t'en! Ne t'inquiète pas. Ta mère et moi avons une petite affaire à terminer. Maman! Je vous offre tout de moi. Mon souffle. Mes larmes, ma vie. Et s'il plaît à Dieu, je vous aimerai encore plus après. Vous ne pouvez pas m'échapper. C'est notre destin. Vous m'appartenez. Espèce de salon, va en enfer. Au nom de tout ce qui est bon et pur, je vous ordonne de partir. Jamais nous embêter. Jamais. Mais... comment tu le sais? Il reviendra plus parce qu'on est fort. Et il y a aussi autre chose que je sais. Chris et moi, on va se marier. Tu vois, comme ça, on sera invincibles. Vous allez vous marier? Oui. Pour de vrai? Pour de vrai. Ouh, ils vont se marier! Oui. On va se marier.
Oh, arrête, c'est juste un bisou. Oui, gros bêta.